pour une nouvelle vidéo. Donc on est parti pour une vidéo comme la dernière fois, 48 heures sans filtre. Enfin la dernière fois c'était 24 heures sans filtre, là c'est 48 heures. Je suis désolée pour ma tête parce que je me lève, j'ai une migraine, alors du turfu. J'ai les complètement pris, je sais pas ce que j'ai, bref. On est en train de déjeuner. Ça va? Hein? T'as bien dormi? Oui. Noël et chérie, il n'y a que Enzo qui est pas réveillé. Oui. Ouais, j'ai trop mal au crâne. Ça me saoule. Merci de la fin des règles. J'adore. Il est 11h06. On se lève pas de bonne heure. Enfin, j'étais déjà réveillée depuis un moment, mais j'avais la flemme de sortir de mon lit. Et vu que j'avais trop mal au crâne, je me suis dit, bah, meuf, faut que tu bouges ton cul parce que t'as mal au crâne, donc va prendre la médoc. Donc on va déjeuner tranquillou et après je sais pas ce qu'on va faire. On va improviser parce que là dehors il fait genre trop chaud. Je sais pas combien il fait déjà, mais... Il peut faire moins de 30. Ouais. Légèrement recrucé, donc déjà on me casse le cul à... Ah ouais, putain. À boucher encore ce qu'il y a bouché là-bas. On vous a montré hier qu'il était en train de faire sa mixture là pour boucher les trous. Putain de merde. Il en a mis partout, mais quand je dis genre partout, il y a toujours autant de fourmis de mort. Je comprends pas. Il va finir par balancer de la scie. Hier soir, s'il vous plaît, j'étais... Le chéri, il était en train de faire son live. J'étais dans le salon, en train de regarder la télé. Attends, chéri. J'étais en train de regarder la télé dans le salon et faire le montage du vlog que vous avez vu, là. Qui est sorti. Je me suis amusée à écraser des fourmis volantes. J'en ai écrasé au moins 8. Genre 8 ou 10 dans le salon. Je sais pas par où elles venaient. Parce qu'en fait, j'avais allumé que la petite lumière, pas genre la grande, mais la toute petite lampe qui est là-bas, là, juste à côté de la télé. Et elles étaient attirées par la lumière, elles sont toutes arrivées dessus et j'arrêtais pas de les écraser. Je sais pas d'où est-ce qu'elles ont sorti. J'ai pas compris. Je vais pas voir. Oh, si j'ai horreur de renifler comme ça, mais là, ça me gêne tellement. Faut que j'aille me moucher après. Oui, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Oui, tu disais, Loan, tu penses savoir d'où elles viennent? Où ça? Par la fenêtre? Non. Bah non, j'avais fermé. J'avais fermé? Bah ouais. Donc je sais pas. À mon avis, ils ont dû te souvenir de la masse. Parce que vu que t'avais plus de produits. Ouais, je pense, et puis non, mais je pense que c'était attiré par la lumière aussi. Vu qu'il y avait que cette lumière là. Ah, j'ai essayé de choper toute la cible par là. Je vais foutre la cible dans notre trou d'un pouf. Comme ça, de là, là. Et puis, ah ouais, non, mais c'est casse-couille en fait. Hein. C'est genre chiant. Bon, on déjeune. Ah d'ailleurs, je vous ai pas montré les petits pas qu'on a fait hier. J'avais peur, maman. Grave. Notre mère gérait. On dirait genre du pain brioché. Du pain brioché. Ouais. J'ai regardé les céréales. Ouais. Bon, bah du coup, je déjeune parce que j'ai faim quand même. Même si j'ai mal au crâne. Et je reprends, je sais pas quand. Hmm ouais. On va essayer de s'occuper aujourd'hui, mais pas dehors parce qu'il fait trop chaud. Youpi, super de pas avoir de piscine, j'adore. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Du coup, je vous reprends, je vais mettre une machine parce que là il va falloir. Hein. Alors, on va mettre des doudous, hein. On prend tous les doudous qu'il y a besoin de laver. Parce que Maëlie, voilà, hein, quand elle s'ennuie, elle s'amuse à grabouiller le doudou de son frère. Hein, voilà. Allez, là-dedans. Parce que là, il fait beau, faut en profiter pour mettre du linge à laver. Attendez, je vous tourne comme ça, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais c'est pas grave. Faut qu'on pense aussi à emmener ça. Tout seul, à la déchetterie. Là. Parce que c'est un peu chiant, ça prend beaucoup trop de place. Oh putain, c'est chiant. Et toi, tu vas faire quoi, chérie? Mais t'es pas froid. Hein. Faut que tu regardes s'il y a besoin de reboucher les... Oui. Bon, sinon... Ah, tu peux fermer. Sinon, j'ai essayé d'appeler pour... Vous savez, mon fameux chèque là qui bloque mon compte. J'avais rappelé le service en leur disant « Vous pouvez repasser le chèque et tout, il y a de l'argent sur le compte. » Sauf qu'ils ont toujours pas compris. Ils passent les chèques que je leur ai envoyés pour régler le paiement, mais ils passent pas le chèque qui bloque mon compte. Ils ont pas compris. Donc du coup, j'ai bien repris, j'ai rappelé la banque tout à l'heure, j'ai bien repris le numéro du chèque qui n'est pas passé.
J'ai essayé de les appeler, mais apparemment ça répond pas. Ils doivent être partis manger ou je ne sais quoi. En même temps, vu l'heure qu'il est, c'est un peu normal. Je suis essoufflée. Donc du coup, je vais les rappeler dans l'après-midi. Et je vais leur donner le numéro du chèque qui n'est pas passé. Et s'ils ne peuvent pas le repasser, du coup, ils me renverront un courrier. C'est ce que ma conseillère m'a dit. Vous leur dites qu'ils vous fassent un courrier. Et j'ai mal à parler. En disant que auprès de la comptabilité, ils ne peuvent pas repasser le chèque. Et que le chèque, du coup, est annulé. Comme ça, elle enlève mon interdiction bancaire, enfin mon interdit bancaire. Voilà, même si bon, quand bien même, je vais pas récupérer de carte ni rien parce que pour un mois, ils vont pas me refaire une carte juste pour un mois. C'est débile. Mais au moins, je serai plus interdit bancaire. Voilà, tous les problèmes seront réglés. Mais alors, je comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je les appelle en leur disant prenez bien le chèque que vous n'avez pas pu encaisser. Mais je sais pas. Ils prennent les autres chèques, mais pas celui-là. Donc ils peuvent pas le repasser. Qu'ils me disent clairement, on peut pas le repasser en banque. Et puis au moins c'est clair, c'est net, c'est précis. Ils me font un courrier et basta. Parce que là, ça devient chiant. En fait. Du coup, allez, une machine. Après, je vais aller passer l'aspirateur. Il y a encore des fourmis. C'est l'aspirateur qui va passer. De quoi ? Il y a encore des fourmis. Ouais, mais c'est pas normal qu'il y ait encore des fourmis. Non, mais j'ai dit, j'ai chopé de l'acide, je foutrai de l'acide là-dedans. Tu vas voir. C'est. Ça devrait pas normalement, je comprends pas. T'as bouché le truc, vu tout ce que t'as mis. Je comprends pas là. Il y a un problème. Allez, c'est bon, go. Machine. Ouh, j'ai bien rempli la machine. Bon, moi sinon ça va un peu mieux, j'ai encore un peu le nez pris, mais pour l'instant je croise les doigts, j'ai plus trop mal à la tête. Pour l'instant. Alors du coup, tac tac tac. C'est très la machine à laver qui fait de la musique. 40, 100, ok, allez. C'est parti tôt pour laver le linge. Tu cherches quoi ? Faut que je plie du coup celui qui est asséché là. Et sinon le linge que je viens de mettre là, je vais le mettre dehors parce que vu la chaleur qu'il fait dehors, en quelques heures ça va être ça, comment je vais être tranquille. Où est-ce que je vais vous poser du coup pendant que je plie ça? Je sais pas trop, hein. Il n'y a pas tellement d'endroits où vous poser, hein. Si je vous mets là, ça va être genre trop haut parce que moi je suis trop petite, donc non. Donc en fait non. Si je vous mets là, vous êtes de travers. C'est chiant en fait. C'est chiant, j'ai pas d'endroit où vous poser, c'est chiant. Eh bah tant pis, je vous pose pas. Je plie le linge et je vous reprends après. Hein? Oui? Mais il est en train de chercher. Je sais pas ce qu'il cherche. Lui-même, je suis sûre, il sait même pas ce qu'il cherche. Il cherche, mais il sait pas ce qu'il cherche. Mais il cherche! Tu vas trouver. Hein? Je vais désespérer avec ces fourmis de merde. C'est clair, c'est chiant. Allez. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je suis en train de préparer à manger. J'ai tout mis sur le plateau là. Hop. Et là, du coup, je suis en train de couper. Hop, le melon. Clac, là, vous voyez. Voilà. Là, vous voyez bien comme ça. Parfait. Allez. Hop, ça c'est fait. Je vais le couper en petits trucs et je vais le mettre dans un petit bol avec le nez et la bouche là. Et les yeux. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il veut faire un câlin à sa maman. Oh. Moi aussi. Oh. Oh. Coucou. Allez, laissez, vous me laissez couper le melon là? Ok. Allez-y, hop. Il s'éclate là-bas. Non, non, les jambes sont ouvertes. Ouais, quand je vous dis qu'il y a toujours du bruit à la maison, je vous mens pas. Hein. Là, on filme une vidéo 24 heures sans filtre. Ouh là là, la chance, le réflexe, maman, le réflexe. Ça signifie quoi sans filtre? Ça veut dire qu'il n'y a pas de coupure. Donc si la regarde comme Ellie, elle crie ou des trucs comme ça, on coupe pas. Non pas que je veux tout couper à chaque fois, mais bon, c'est que c'est pas forcément, comme j'ai expliqué aux abonnés, c'est pas forcément très agréable d'entendre crier. Mais là, c'est un Valcartier sans filtre. Tu attends. Attends, chérie. Tu attends. T'es pressée, hein? T'as faim? Par la bouche, là. Mais il y a un noyau dedans.
Bah oui. Dans le potion avec le noyau dedans. Voilà. Ah, vous n'avez pas l'odeur à travers la caméra, mais ils sont trop trop bonjour. En haut de ma tête. Ça fait super longtemps que je l'ai ce bol. C'est une copine. Je sais pas si elle regarde nos vidéos d'ailleurs, mais c'est une copine que j'avais en primaire avec moi, qui m'avait offert ce bol pour mes. Je crois que c'était mes 10 ans, un truc comme ça. Sérieux? Ouais, ou 9 ans, je sais plus, enfin moins de 10 ans en tout cas. Bonjour! J'ai un cœur sur ma tête. Hop, oup là! Bonjour, ça voilà, donc ça on a mis un petit peu de melon là-dedans. Et puis bah sinon, j'allume un tout. Dégueulasse. Moi, je triche, je récupère. Voilà. Celle-là. Ça, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien. Non, je vous voyais pas bien. Attendez, je vous retourne dans le sens. Tac, bim. Voilà, ça c'est fait. Et ici, on a un peu de tout. Des chips, du parmi, avocat, du pâté, du jambon, du taboulé, des carottes. Voilà, voilà. Des tomates. Ouais, des tomates. Que maman, elle adore, les tomates cerises. Et ça. Du maïs. Qui donne la chiasse. De quoi? Qui donne la chiasse. De quoi, les tomates? Oui. Ouais. Non mais toi t'en manges pas, t'aimes pas ça? Bah non, j'aime pas ça. Oh là là, Noan il aime bien ça lui. Oui. Maëlie aussi, chérie aussi. Ah, regardez non. Comment il récupère les gratte, il gratte. Bah non. Ah, allez, t'es comme un là. T'as la bouche percée ou quoi? Ah oui, c'est froid, c'était au frais, c'est normal. C'est bon? Bonjour. Il est bien sucré? Pas tellement. Regardez, bonjour. Vers le fond, il est pas très sucré, mais je pense que là, il serait assez sucré, je pense. Ouais. Allez, let's go, on va manger. Let's go. Allez, on y va. Bon, du coup, je vous reprends. On est en train de faire une activité coloriage slash cahier de vacances. Noan, il a fini le sien. Enzo, il est encore en train de faire son cahier de vacances. Donc, Maëlie, je lui ai fait une rosace. Montre. Ah mais montre, lève ta feuille chérie. Lève ta feuille. Lève ta feuille. Voilà. Hop. Comme à l'ancienne les rosaces. Je sais pas si vous faisiez ça aussi quand vous étiez petit. Et moi du coup je suis en train de faire un coloriage mystère Disney. Et chérie il est en train de continuer son paysage. Vas-y montre chérie. Oh, t'as pas fait, je suis galère avec. Il avait déjà voilà. Il avait déjà commencé. Là il va essayer de le finir. Ouais. Ah, là, je sais pas si vous voyez, si connaissez ce. Ah, les gros crayons comme les ça. Ah, t'essayes de le retailler. Ah, mais c'est la galère. La mine, elle s'est pétée. Ah merde. Il y a un truc spécial à l'école. Ouais, les gros tailles crayons, ouais. Ouais bah, et moi, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Attendez. Bah, il est pas gros, hop. Là, je suis en train de finir. C'est plus grand que ça. Celui-là. C'est dans les coloriages mystères, vous savez, dans. Hop. Dans ceux-là. Tac. Ouais, attends. Youp. Voilà. Maman. Ouais, mais regarde du coup, chérie, là. T'as fait tout en rose et là, t'as fait du jaune. C'est en décalé, Minette. C'est fait exprès. Non, tu voulais faire plein de couleurs. Bah, vas-y, ouais, fais ton truc. Hop. Ouais, du coup, toi, tu sais pas quoi faire. Pas de... T'as pas de coloriage. J'ai fait Harry Potter parce que j'ai fait tout la même chose. Bah, tu veux que j'essaye de t'en trouver un? Bah ouais. J'en ai là-haut. Okay. Des livres de coloriage qui me restent. Bon bah je vais te trouver ça. Bon bah en attendant. Moi j'aurais voulu voilà. Prendre un Star Wars à Laurent, mais je sais pas s'il l'aurait voulu. Et aussi maman, c'est que tu pourras. De quoi? À la voiture et pas à vélo. Ouais bah on verra mais déjà je continue celui-là. Allez bon bah je vous laisse on fait ça. Allez let's go. Et re tout le monde du coup je vous reprends. On a fini les coloriages. Je vais vous montrer du coup celui que j'ai fini. Alors il est là. Il est juste ici. Alors attendez je vais vous montrer. Alors, tourne la page chérie, tourne la page. Hop. Ah celui-là. Comme ça. Allez. Il est fini. Et celui-là on l'a déjà fait. Ouais, celui-là, je l'ai fait tout à l'heure. Coucou. Attends, chaton. Et toi, ça va? Oui. T'as foutu le bazar dans ta chambre? Oui, oui. Oui, oui. Elle est fière en plus de me dire oui, oui, maman, oui, oui. Et toi, vas-y, montre, Titi. J'ai enfin fini l'extrême. Oh. Voilà, il est très beau. Mais eux, ils voient à l'envers, on ne sait pas. Oui, non, mais c'est normal.
Et là-bas, on a Monsieur Enzo en mode Vamos a la playa. C'est ça? Bon, je vous reprends parce que du coup, on va. Oui, attends, en fait, on va manger. Pour le bleu, j'ai galéré. Oui, bah t'as mis du temps. En plus, t'avais un crayon qui fonctionnait plus. Ouais. Ça. De quoi? Ça, on peut rattraper des cheveux. Oui, ça on connaît, oui. Du coup, je vous laisse là. Je vais aller faire à manger. Je sais même pas quelle heure il est. Il va être 19h. Donc ce soir, on va faire simple. On va manger des pâtes avec du jambon. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà. Ouais, c'est la méchante, ouais. Donc du coup, j'en prendrai tout à l'heure. Pas pour clôturer, parce que vu que c'est sur 48 heures. Voilà. Je suis coiffée un peu comme une chèvre à pomme aujourd'hui. Bon. Bref, on s'en fout, c'est sans fil. Donc on va faire à manger et on vous reprend tout à l'heure. Et retournons, du coup, je vous reprends, il est 21h11. Je suis dans le salon avec les garçons. Ils sont en train de regarder un film sur Netflix, Bob l'éponge, je sais pas trop quoi, super-héros, je sais pas quoi. Le chéri était en train de faire son live. Et moi, bah, du coup, je suis sur le PC. Donc je pense que je vais commencer à monter le vlog que vous êtes en train de... pas le vlog. Quand même, si je veux dire le vlog. La vidéo 48h, je vais commencer à la monter maintenant. Et sinon, bah, je pense que je vais essayer de travailler un peu sur mes vidéos. Enfin, sur des idées de vidéos, des prochaines vidéos, etc. Et ça me permettra de prendre un petit peu d'avance. Voilà. Donc bah, je pense que je vais... je vais pas couper maintenant, vu que je suis pas prête d'aller me coucher maintenant. Je couperai un petit peu plus tard, je pense, quand j'irai me coucher. Voilà, bon bah je vous dis du coup à plus tard. Et là, tout le monde, du coup, je reprends, mais dans le lit. C'est très là, le cadrage un peu bizarre. Je sais pas quelle heure il est. Il va être 1h. Oui, il va être 1h. Du coup, bah on va se poser là un peu dans le lit. Et puis je sais pas trop comment mettre parce que c'est un peu bizarre comme ça en hauteur. Éclaire un peu. Ah, pas trop. Ah, parfait. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus. Alzheimer, bonjour. Ta gueule. Et oh. Oui, donc il est presque 1h. Et du coup, on va se poser un peu dans le lit. Parce que... Non, 1h, c'est pas tard en fait. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. Et on va regarder des vidéos. Enfin, je sais pas si toi tu veux regarder des vidéos, si tu veux faire dodo. Non, je me pose un peu sur le téléphone. Ouais, moi pareil, je vais regarder les vidéos, je suis un peu en retard et puis bah. Ouais. On va reprendre demain. Voilà. On va reprendre plus tard. On va reprendre plus tard. T'as vu la vache? Tchuss. À demain. Et re tout le monde, enfin je dis re parce que vu que c'est à 48h. Et re ou hello ou je sais pas trop. Il est quelle heure? Il est 13h47. Je vous prends que maintenant parce que bah, ce matin on s'est levé un peu plus tard. En plus Lily elle est venue nous rejoindre cette nuit. 4h. Ouais, vers 4h. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai pas compris. Non plus. C'est quoi ce truc? De quoi? Bah ça c'est une vidéo, maman qu'elle était en train de regarder. Oui, donc du coup je vous reprends là, il fait genre super chaud. Enfin, on arrive à tenir quand même, hein, c'est pas non plus la mort. Et... En fait là vous voyez que c'est vachement éclairé dans la chambre, mais nous... C'est dans le noir en fait. La qualité de, du truc elle est vachement. Donc oui, je voulais dire. Et aussi j'ai fait de la pâte à modeler. Oui, elle fait de la pâte à modeler. Donc oui, je vous reprends maintenant. Depuis ce matin on n'a rien fait de spécial. On a déjeuné, tout ça. Donc, voilà. Vu qu'on s'est levé un peu tard, bah, forcément le repas du midi va être en décalé. J'ai pas spécialement trop faim. Ouais, j'ai pas faim du tout. Ouais, même les enfants avec la chaleur et tout, on n'a pas vraiment faim. Donc bon, écoutez, hein, on va. Bon, je vais me décaler, voilà. Si on a vraiment un petit creux tout à l'heure, on mangera un petit peu de frais. Ah, c'est bon, hein, c'est les vacances. Vraiment, je me prends pas la tête quand c'est les vacances. J'ai ouais, pas envie de décaler. Que... Ouais, j'avoue. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'étais en train de regarder une vidéo tout à l'heure. Il faut que je fasse ma liste de vidéos, enfin, pas de vidéos, mais d'idées de vidéos. Voilà, pour m'avancer. Et ce soir, du coup... on est deux sorties, je ne vous dis pas maintenant, ça sera une surprise. Donc pas une sortie où il faut payer ou quoi que ce soit, parce que je vous vois venir, hein, les petits rageux. En mode, ouais, elle dit qu'elle a pas d'argent, mais elle sort à l'extérieur, patati patata. Donc oui, c'est une sortie à l'extérieur, mais une sortie qui n'est pas payante. On va aller voir ce prénom. Qui est une sortie qui est gratuite, voilà. Et quand bien même ça aurait été payant et que j'aurais eu l'argent, bah... Bah non en fait parce que je pour l'instant je ne peux pas me permettre de... Voilà, il y a des priorités. Ah merci, c'est quoi? C'est... Un gâteau tortue? Oui.
Et là, c'est à quoi? C'est à la menthe? Oui, c'est à la menthe. À la menthe, ouais, attendez, je vais goûter parce que. C'est un gâteau tartiflé à la menthe. C'est coupé en deux. C'est super bon. Hein. C'est en plus, c'est bien frais. C'est bien frais pour l'été là. Ça fait du bien. Aussi, j'ai mis du Nutella. Ah, du Nutella. Ah, ouais. Toi, c'est du Nutella et toi, c'était du sucre. Ah, d'accord. Ouais, c'était super bon. Du sucre avec la main, c'était très sucré. Donc, du coup, voilà, moi, j'étais en train de faire ça. Enfin, j'allais faire ça. Faire mes petits trucs de vidéo. Et sinon, bah, pas grand chose. On a fait quoi? Bah, non, on a rien fait en fait. Non. Plus ce matin. Ah si, j'allais mettre l'aspirateur en route, c'est pour ça que j'avais tout préparé en bas et finalement je suis montée et voilà. Donc je vais aller faire tourner un peu l'aspirateur en bas, hein. Pas que c'est dégueulasse mais voilà, ça se fait quand même tous les jours, donc c'est un peu la base. T'as revu s'il y avait des fourmis ou pas? T'as pas regardé ce matin? Flemme de regarder. Flemme. En tout cas moi j'ai pas été attaquée hier soir. Hein. Il y en avait peut-être 2-3 qui sont sortis des fourmis volantes. Alors, t'as vu là-bas que le truc que j'ai foutu aussi. Mais je sais pas si. Ouais, j'en sais rien. On reverra ça. Dans tous les cas, va falloir que ça s'arrête parce que c'est chiant en fait. Ouais, c'est vraiment trop chiant. Donc, oui, ce soir, on est deux sorties. Donc, on va vous filmer ça. De toute façon, vous allez vite voir. Et puis, même avec la miniature, je pense que vous allez vite comprendre. Voilà, ça va faire du bien un petit peu de sortir. On va profiter de ce petit challenge de fraîcheur, ouais, ce soir. Ouais, c'est ça. Et ça, on redescend que... parce que logiquement, le soir, ça va être sympa, je fais des 20 degrés de degrés. Ouais, bon, ouais, s'il fait 20, tu vois, 20, ça va. Parce que 20, c'est déjà mieux que 30 soir, ou 35. Quoi. Hier soir, quand j'étais en stream, vers les 23h minuit, je vais encore faire une 4. Ouais. Je filme pas le chéri parce qu'il est torse nu. C'est pas tip top hein, sur YouTube. Enfin, faut éviter. Même s'il y en a qui. Ouais, mais faut éviter quand même. Ils aiment pas trop ça, YouTube. Voilà, voilà. Bon, bah, moi je vais laisser l'aspirateur un peu tourner en bas. Et puis, bah, après, je vais faire mes idées de vidéo et tout ça. Et puis, bah, voilà. De toute façon, l'après-midi va vite passer. Hein. On n'a rien de prévu non plus. La chaleur qui fait dehors, c'est mort. On va pas sortir. Voilà, c'est bien qu'ils ont pris une quantité d'architectes en alerte avec canicule. Non, on n'est pas encore en alerte, nous. Parce on est loin. Vu qu'ils sont. Vu que ça depuis hier soir qu'ils sont. Je cherche quelque chose. Tu cherches quoi? Je cherche la couleur bleue et avec les vagues pour que je fasse le gâteau. Ah, bah attends, j'arrive. Oui, attends. Ouais, bon, bah moi je vous laisse là pour l'instant et puis je vous reprendrai tout à l'heure. À quelle heure? J'en sais rien, peut-être que ce sera pas avant ce soir. Je ne sais pas. Voilà, à tout à l'heure. Du coup, je vous reprends. On est dehors. On est parti. On est parti pour sortir un peu la chienne. Il fait beaucoup moins chaud là. Il est 19h passé, je pense. Quelque chose comme ça. Avec Riley. Bah oui, on va sortir un peu Riley. Hein bah oui, parce que là. Et frère, il regarde. Alvin. Ouais, les garçons, du coup, ils sont. À la maison, ils regardent Alvin et les chipmunks. À cette heure-là, c'est beaucoup moins chaud déjà pour la chienne, donc on se balade un peu. Voilà, ça fait du bien. Allez, let's go, c'est parti. Et re tout le monde, du coup, je vous reprends. On est directement sur place. Donc, je pense que vous l'aurez compris, de toute façon, vu la miniature. On est donc, du coup, sur une grande place, je sais pas trop comment expliquer, en terrain de crosse ou je sais pas trop quoi. Et en fait, on attend, du coup, pour le feu d'artifice. Voilà, donc il va y avoir un feu d'artifice de tirer d'ici... moins d'une heure, donc on attend. En attendant, il y a des danses et des musiques. Bon, je coupe, sinon les droits d'auteur. Allez, à tout à l'heure. Oh, oh, oh.
Une fois, je me suis couchée, il était midi. Vous avez la ref ou pas? Ouais, donc on est rentré il y a au moins 15 minutes maintenant. Donc franchement, bah, pas mal. Hein, je pense que vous allez le voir sur les images. Franchement, c'est la première fois qu'on va à ce feu d'artifice juste à côté de chez nous, là, et pas déçu. Hein. Et toi, bébé, t'en penses quoi? Je vous filme pas le chéri parce qu'il est en caleçon. On va éviter quand même. Je me suis pris des carottes râpées oui, parce que j'ai faim. Voilà. Donc bah, maintenant, j'ai plus qu'à faire le montage. Donc je suis pas couchée. Bon, il n'y en a pas non plus pour 3 heures, hein, mais le temps que je fasse tout ça, surtout que c'est un 48 heures, donc là, il y a plus de trucs à. Quoique j'avais déjà commencé. Donc heureusement que j'avais pris un peu d'avance. Bon, bah, j'espère que ce 48 heures avec nous bah, vous aura plu. Hein. Après, c'était différent de la dernière fois. Forcément, il y avait les enfants. Donc bon. Voilà, c'est pas le même train de vie, c'est pas la même chose, mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait, et on se retrouve, bah, je sais pas quand, soit demain ou... Je ne sais pas, normalement oui, j'ai prévu d'autres vidéos, donc normalement oui. Alors peut-être pas pour du vlog, mais pour des vidéos face cam, je sais pas. On va voir, voilà. Du coup, je vous laisse là parce que j'ai du boulot, donc je vous fais plein de gros bisous, et puis bah, surtout, prenez soin de vous. Ciao. Tu veux dire ciao quand même? Ciao. Allez, bisous tout le monde.